Coucou les filles, petite créa de Lulu. Je suis en train de refaire sur un tuto de Scrap Marie, Créa Scrap Marie, pardon. Elle fait des sketchs. Elle en est au 20e déjà. Donc j'essaye de rattraper. Parce que je trouve que c'est sympatoche, les sketchs en définitif. Voilà. Donc là, je vous avais présenté le 20e. Voici. Moi, c'est avec un bloc que j'avais trouvé chez Noz. Steam. Punk, voilà. Donc ça donne ça. Quand on ouvre, voici et hop à l'arrière et vous retrouvez ma signature petite créa de Lulu. Ça c'est pour le numéro 20. Après j'ai fait le numéro 19. Voici. J'ai pris la collection. J'ai pris la collection Amazonia. Il me reste un petit peu de papier, donc je m'en suis servie. J'aime beaucoup et j'ai utilisé les die cuts qui vont avec, de chez Stamperia, pardon. Voilà, donc ça donne ça. Vous voyez, j'ai mis un... Alors les perles, comme elle disait. J'ai mis un papillon, c'est un die cut. Ils sont en plastique transparent, voilà, avec une jolie fleur. Et puis ces deux feuilles. Là, j'ai remis le mot Amazonia. Voici. À l'intérieur, ça donne ça. J'ai mis des petits, enfin des petits sentiments, des petits mots. Là, j'ai remis une fleur comme ça que j'ai découpée avec un petit papillon, mes igouigouis, bien évidemment, parce que j'adore ça. Une petite carte à l'arrière avec toujours pareil, petite créa de Lulu. Voilà, j'ai trouvé super sympathique. J'aime beaucoup. Normal, c'est moi qui l'ai fait, comme je dis souvent. Hein? Pour la 18e, eh oui, j'en ai fait 3 déjà. Pour la 18e, j'ai utilisé Cire Vagabond de chez Stamperia. J'adore ces collections. Stamperia a vraiment des collections magnifiques. J'aime beaucoup. Donc, je me suis servie de ça. Voilà. Alors, j'ai pas trouvé les die cuts. Je les ai perdus. Mais enfin bon, c'est pas grave. J'ai réutilisé. Il y a des étiquettes à l'intérieur. Donc je les ai réutilisées. Voilà, donc le devant. Alors celle-ci, elle s'ouvre comme ça. Hein. Donc le devant, c'est comme ça. Hein. Voilà, avec la petite image. J'ai récupéré l'aviatrice. La meilleure aviatrice. J'ai remis un petit ballon comme il fallait un sentiment. Moi, j'ai découpé un sentiment. Je l'ai mis en relief. Là, le sentiment, non, pardon, un die cut, voilà. Et puis là, le sentiment, comme ceci, pareil, étiquette que j'ai récupérée à l'intérieur. Là, j'ai mis. La statue de la liberté. Oh, non, mais je suis vraiment atteinte, moi. J'ai des trous de mémoire, c'est l'horreur. Enfin, voilà. Donc, ça fait ceci. Je vous le montre. À l'intérieur, quand vous ouvrez, c'est comme ça. Voilà. J'ai récupéré, pareil, un papier. Parce que je trouve que ça finit bien la carte. Là, j'ai récupéré, pareil, j'ai mis un petit mot que j'ai découpé. L'aviatrice en plus petit. Mes igouigouis. Et une petite image qui rappelle le thème, donc. Et petite créa de Lulu, toujours. Voilà, donc ça vous fait trois. Enfin, j'ai déjà fait trois cartes. Je suis bien contente. On va faire comme ça. Voilà. 20, 19 et 18. Et je verrai pour le reste. Voilà. Voici, voilà. Si quelqu'un est intéressé par une carte, elle me le fait savoir, hein, en message. Et puis, eh ben, écoutez, je l'enverrai. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt aux suivantes.